Et maintenant, qu'allons-nous faire? Maintenant, que sera notre vie? Et tous ces gens qui m'indiffèrent, maintenant que nous sommes sortis. Salut, premier jour du déconfinement. Nous, nous allons sortir juste en forêt, là où il n'y a personne. Donc on a décidé de ne pas voir de gens au moins pendant 3 semaines, enfin jusqu'à au moins juin. On va se fier au recul, c'est-à-dire je pense que on va compter 3 semaines après le début du déconfinement et voir si il y a un petit rebond, genre de choses, et auquel cas on pourra de nouveau ressortir. En ce premier jour de déconfinement, j'ai fait péter le rouge. C'est joli quand même, je mets pas souvent, mais du coup quand tu mets du rouge, ça te donne un teint très très clair, mais ça te fait ressortir les dents. C'est pas mal aussi. Aujourd'hui, je vais essayer de faire mes petits objectifs, de m'y tenir et de pas faire toute autre chose. Voilà, de pas procrastiner, parce que là, ça fait plusieurs jours, c'est un petit peu le délire. C'est donc parti pour le tournage de la line box. Je le fais en premier, comme ça, je suis sûre de m'y tenir. Ça y est, je viens de terminer le tournage. Oui, pantalon de pyjama. Premier abord, je me suis dit, ah, Et après, quand tu peaufines, t'essaies, puis tu lis un petit peu la matière. Ouais, c'est sympa. Franchement, j'aime bien. Voilà, donc je vais faire le petit montage maintenant. Je me suis toute décoiffée. Oui, bon, bah, c'est des accessoires cheveux. Voilà, je l'ai tout dit. Si ça vous intéresse, allez voir sur la chaîne des box. Je pense que je l'aurais déjà mis en ligne. On y retourne. Allez. Ma maman, elle n'est pas contente. Tu sais très bien pourquoi elle n'est pas contente. J'ai terminé. Je suis en train de me taper un fou rire. Je vous montre parce que ça, c'est un des trois Comment ça accessoires. s'appelle? Mais. La nana qui va faire du sport. Ah Alors, ouais. bonsoir. Bref, bah, je suis contente. J'ai hyper froid. Ils mettent 7 degrés. Ça, c'est pour finir mon petit repas. Le curly. Bah oui, on a combien? 5 paquets, 6 paquets, on s'était planté. J'adore ça. Je monte, je vais essayer de faire un petit titre. Pour ça. Ah, faut que je remette tous les éclairages. Bon, allez. Hop là! Je pense que je vais faire, parce que vous me l'avez demandé pas mal. Bah mince, je sais plus. Ah, Mistral gagnant. Renault. C'est parti. Alors, comment vous dire? 5h15. Je sais même plus. Quand est-ce que j'ai arrêté de. Bah, j'ai fait mon titre là. Et j'hésitais avec 6-7 titres, parce qu'à chaque fois, je prends les titres que vous m'avez suggérés. Donc j'ai fait Lettres à France, Paul Naref. Voilà. Et avant j'en ai fait 4-5. Donc ça prend du temps, je les ai stockés. Et puis au final, je me suis dit, bon, bah, je vais garder ça. Alors par contre, le déconfinement, on y est. Hein. Depuis ce matin que j'ai ouvert les volets. Alors déjà, il y a un truc assez saisissant. Tu sens le. Comment? Les pots d'échappement. Ah, 2 minutes! Les pots d'échappement et puis bah, les mobylettes, les voitures. Après, ça a un côté. Ça fait du bien quand même. Ça fait, tu te dis, bon, ça revit. Mais il y a des trucs, ça te manquait pas, quoi. Hein? Vous l'aurez compris, on part marcher. Eric, ça fait plus de 50 jours qu'il n'est pas sorti de la maison. Moi, je suis pas sortie, si ce n'est que. Enfin, si, pour faire les courses, mais à chaque fois, c'était rapide, c'était au drive. Oh, on va être tout rouillé, mais il y a une éclaircie. J'ai mis ma tenue. C'est vraiment pour. Se réoxygéner. Bon, on a fait un stop parce qu'on n'a plus rien du tout, du tout, du tout pour déjeuner. Et vu qu'il n'y a personne dans la boulangerie, que la dame elle a son petit masque, et bien Eric est parti nous chercher. Je lui ai dit, bon, tu prends tout, tu fais péter pain au chocolat, croissant et puis des petits trucs pour ce soir. Par contre, concernant la balade, il y avait beaucoup. Beaucoup trop de monde en moto, en vélo, qui courait, en marche à pied. C'est étroit quoi les sentiers, donc ça se croise à côté, ça se dit bonjour, ça tousse. Il y a un gars qui passe, mais il pouvait pas attendre quoi, il tousse au moment où on se croise. Enfin bref, trop de monde, beaucoup beaucoup trop de monde, donc faut qu'on trouve d'autres endroits. Et ça nous a quand même fait beaucoup de bien. Allez bon. Deuxième arrêt cette fois-ci à la pharmacie parce que pour voir déjà s'il y a des masques. Et surtout pour du space-fond, parce que figurez-vous que c'est pour ça que j'ai pas vlogué d'ailleurs depuis 2 jours. On est rentré. Space-fond. Alors les masques, il n'y en avait pas. Ils arriveront fin de semaine. C'est ça, hein, bébé? Précise où? En pharmacie? Voilà. Ouais, en pharmacie. Faut qu'on en ait un peu avant, quoi. Et je vous montre quand même ce qu'il a pris. Ceci. Ça, c'est le. Ça fait très gâteau de mariage, vous savez.
pâte d'amande au-dessus. Et il est excellent. C'est un fraisier, je crois. Non, framboisier. Dessus. Framboisier et celui-là. Croquant chocolat. Oh là là, on va se régaler. On fera des petits bouts. Et deux baguettes pour demain matin. Alors, je vais faire le gratin de brocoli. Il était très très bon la dernière fois. Il est 20h39. On n'a même pas vu l'heure. Et je ferai un petit steak haché, je pense, avec ces images de ce matin. Mais c'est vrai que la distanciation sociale en l'espèce, convenez. Ça a l'air super bon. Voilà, petit gratin, steak haché. Bébé, on passe à table. Regarde-moi cette merveille. Non, quand on a fait la cuisine, on ne s'est pas remarqué qu'on a vu la cuisine. Ah. On s'est pas remarqué. Bon, c'est alors. Okay. Est-ce que tu veux jamais faire ça avec mes pâtes? Ouais. Si. Oh, si. Non, je te les donne, je les regarde. Ouais, mais t'attends parce que tu sais qu'elles sont très bonnes. Et j'apprécie de te voir. Apprécier. Allez. Mais en silence, je le fais. Non, non, non. Fais gaffe, tu vas te brûler. C'était excellent, mon petit gratin. Et là, je suis en train de manger du gâteau devant la série Hollywood sur Netflix. Elle est super, vraiment très, très bien faite. Voilà, nous sommes le lendemain, mardi 12. J'étais en train de faire le montage. Je me suis rendu compte que pas mal de prises qu'on a réalisées hier dans la balade, la conclusion, des choses intermédiaires, et ben, c'est pas que c'était flou, mais ça bougeait. L'image bougeait en permanence. Donc, inexploitable, j'ai pas mis. Je suis deg. Regardez, je vous mets quand même un petit peu. Oups, je me décale. Je vous montre ce que ça fait, donc je n'ai pas voulu mettre tout ça. Résultat, bah, cette journée d'hier est hyper courte. Tant pis, je vous ai repris donc ce matin. Mes cheveux, je ne sais pas ce qui se passe. Je vous ai dit que j'avais fait des soins déjaunissants. Bah, voilà le soin, quoi. C'est pire. Je trouve que mes cheveux, c'est pire que tout. Ça devient orange, en plus, les racines. Moi, ça ne me gêne pas plus que ça, mais il ne faut pas que ça dure trop, parce qu'à un moment donné, pour rattraper... Vous savez, le coiffeur, si tu attends trop, ça fera des démarcations pas jolies. Mais je me sens pas du tout d'aller chez le coiffeur, non. Un petit peu trop tôt. Ce matin, j'ai reçu un colis, toujours, la Woodbox. Oh, j'ai reçu 4 box Woodbox depuis le confinement. Oui, parce qu'il m'avait même renvoyé celle de janvier. Je vais faire ça cet après-midi. Et aujourd'hui, c'est prévu, c'est sûr. Je lave, range, trie. Ma maison. Je voudrais faire du tri et enlever, comme je vous ai dit, regardez, comme c'est pas droit, c'est pas un effet d'optique, c'est vraiment pas droit, on a trop chargé avec les livres, donc je vais enlever tout ça. Je pense pas que ça se redresse plus que ça et je mettrai plutôt des bibelots. Quelques livres, mais pas trop. Et bah, ranger toutes les pièces nécessaires. Et toujours concernant la qualité de mon téléphone, j'ai l'impression qu'au niveau du son aussi, il y a un truc qui a changé. Dites-moi si jamais vous avez remarqué. Si vous n'avez pas remarqué, bah, tant mieux, mais bon, c'est jamais. Le bruit que vous entendez, parce que c'est identifiable, c'est la machine. Et ça, c'est pas la faille de San Andreas. Ça me fout la déprime quand je vois toutes ces fissures. Peut-être qu'avec de la peinture, ça passera. Il est 13h30, je vais aller manger. Sinon, il faut également qu'on fasse une commande au drive. On n'a plus rien, ça va à une vitesse. C'est fou, je crois qu'on fait mal les courses ou... C'est toujours les mêmes produits au drive. C'est vrai que j'aimerais bien retourner dans le magasin, mais pff, de toute façon, on n'a pas de masque, donc laisse tomber. Mais même, je sais pas... Drive. Ce matin, vu que Eric avait acheté 2 baguettes, on s'est fait du petit pain grillé. Vous savez, vous connaissez cette technique quand le pain n'est pas du jour et qu'il est un peu dur, c'est parce qu'il est meilleur. Et ben en fait, moi, je le coupe en deux. Je l'humidifie légèrement, je le passe au four et le pain, t'as l'impression qu'il sort en fait de chez le boulanger, mais en version chaude, croustillant à l'extérieur et à l'intérieur moelleux, du beurre, de la confiture, mais c'était magique. Qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment un petit grignotage, je me rattraperai ce soir. Et vous l'aurez compris, je vais vous laisser là avec bébé Zaki. On l'a pas vu aujourd'hui bébé? Non? Comment ça va? Ce truc qui tient jamais. Je pense qu'on se retrouve après-demain. Ouais, je pense plutôt. Quoique, peut-être demain. On verra. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à très vite. Salut, Jackie. Tu tiens pas? Rien à foutre.